Aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Comment demeurer dans l'amour de Jésus? Jésus nous le dit. C'est en gardant ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et plus loin, il précise quel est son commandement. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour pouvoir aimer comme Jésus, il faut découvrir l'immensité de l'amour de Jésus. Lui, Jésus, le très grand, il nous appelle ses amis, pas ses serviteurs. Comme preuve de cet amour, Jésus donne sa vie pour nous. Et il nous dit, « Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyons dans l'émerveillement devant cet amour. » En même s'il faut passer par bien des épreuves, ce que Jésus veut pour nous, c'est notre bonheur. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Où pouvons-nous goûter la plénitude de la joie? En aimant notre prochain. Comme Jésus dit, mon commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Il ne dit pas qu'on doit se contenter d'aimer par devoir, que c'est une tâche désagréable. Si nous aimons uniquement par devoir, nous nous épouserons rapidement. Une maman qui aime vraiment son enfant ne l'aime pas uniquement par devoir. En fait, nous devons aimer comme Jésus. Prions que Jésus change chaque jour nos cœurs en cœur de Jésus. C'est avec l'aide de Jésus que nous pouvons aimer vraiment et trouver la vraie joie. Amen.